Salut tout le monde, c'est Sisoen. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur GTA V pour la fameuse DLC. Alors on va pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est parti. Donc la fameuse DLC moto, boulot, dodo il me semble. Donc alors on va commencer tout de suite. Bien sûr il y a des nouveaux véhicules qui sont disponibles. Mais on va tout de suite presser sur back pour regarder bien sûr ce qu'il en est. Donc club de moteur, ok. Donc vous ne pouvez pas créer de club de moteur parce que vous n'avez pas acheté de QG, ok. Pourquoi il y a la lumière, elle est bizarre, c'est bizarre, ok. Donc on va acheter un QG, hein, on va se rendre directement sur internet, on va regarder les véhicules. Après, tout à l'heure, on va d'abord s'acheter un QG et regarder comment ça se passe. Donc là, on peut constater qu'il y a énormément de QG qui tournent en moyenne entre 200, 210 000, 225 000, 250. Ouais, donc entre 200, j'imagine, et 500 000. Si on va du côté de la ville, ouais, voilà, donc 460, 495, 455. Ouais, ok, donc, ah, celui-là, il est pas mal, je crois que je vais prendre celui-là, moi. C'est à 420 000. Et ouais, 400. Ok, donc on va prendre celui-là. C'est entre 200 et 500 000, quoi. Donc les fresques, donc ce sont des peintures, j'imagine, qui sont sur le mur de ton QG, qui représentent ton clan et tout ça. En fait, quand tu rentres, c'est la déco du mur, quoi. Donc moi, j'aime bien celles-là. Ouais, elles sont plutôt stylées, hein, mais je vais prendre plutôt celle-là. Donc le style, donc maintenant les murs. Ah ok, donc c'est soit A, soit B. Donc B, j'imagine que c'est plutôt luxueux, ouais, voilà, ouais, c'est plutôt luxueux, et A, c'est vraiment le côté pourri, quoi, c'est vraiment brut de coffrage, quoi, comme on dit. Donc moi, je vais pas laisser, je vais pas faire trop luxueux, mais je vais pas faire trop pourri non plus, tu vois. On va essayer de trouver un juste milieu, ouais, ça a l'air plutôt pas mal comme ça, j'aime bien laisser quand même un truc bien dégueulasse. Non, le canapé quand même pas. Voilà, on va laisser ça. Donc les emblèmes, bon, je vais déjà prendre mon emblème à moi. Hein. Ouais, bon, les autres emblèmes, non, je prends bon, même si c'est Dragon Ball Z, hein, tu l'auras remarqué. Hein. Moi, je vais garder Dragon Ball Z. Donc, le nom du club, bah, tu sais quoi, je vais m'appeler Black Smoke. La fumée noire. Ouais. Mais non pas le Black Pearl, hein, pour ceux qui sont fans de cinéma et qui auront compris que je parle de Pirates des Caraïbes. Ok, donc le Black Smoke, il me faut une écriture plutôt justement... Ah bah voilà, tiens, comme sur les bières, toi. Même écriture comme ça, ou sur le whisky. Voilà, donc une armurerie, bah ouais, combien? Ouh, 320 000 l'armurerie. Ah, on peut mettre un LS Custom dans son garage. 530 000. Bon bah allez, c'est parti, on prend... On va foutre un repère comme ça, je sais tout de suite où il se trouve. Bon, on va regarder les véhicules. On va d'abord commencer par les avions. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'avion. Hein. Je pense pas. Non, il n'y a pas d'avion. On va regarder dans les véhicules de luxe. Ah, déjà une première moto. Waouh, elle est stylée, t'as vu ça? Il n'y a même pas l'amortisseur derrière et tout. Les véhicules, je les testerai dans là les jours qui viennent, plus en détail et tout, avec les tests de vitesse, des présentations, là, comme tu sais que j'ai l'habitude de faire. On y reviendra vraiment bien en détail, vraiment bien profondément. Là, c'est vraiment qu'une vision globale. Donc, il n'y avait rien dans les trucs militaires, dans les bateaux non plus. Voilà. Donc là, maintenant, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc là, on a vraiment que les... Oh putain, mais alors celle-là, elle déboîte. Hein. Ça, c'est une bécane qui aurait pu être dans le film iRobot. Je sais pas pourquoi, mais je crois même qu'elle ressemble à ça. Ah, ils ont mis des nouveaux scooters. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas les scooters, ça peut être marrant dans la ville, franchement. Ok, donc les bécanes, franchement, elles sont plutôt stylées. On va pouvoir s'éclater, pur. Et bah alors là, il va vraiment falloir que j'agrandisse ma liste. Agrandisse ma liste. Je suis pas sûr de l'avoir dit correctement. Waouh, le quad. Putain, j'espère qu'on peut faire des roues arrière. On verra. Une moto bien crade, bien rouillée. À mon avis, celle-là, elle aura pas beaucoup de succès. Bon, et celle-là, standard. Ouais, et pas d'autres véhicules. Bon, s'il n'y a pas d'autres véhicules, donc comme tu le sais, dans les DLC, quand je les présente, donc je regarde s'il y a des nouveaux véhicules, s'il y a des nouveaux apparts, bien sûr, s'il y a des nouveaux casques, s'il y a des nouvelles fringues, des nouvelles coupes de cheveux, des nouveaux tatouages. Aujourd'hui, cette vidéo sera entièrement consacrée à ça, pour vraiment découvrir ce qu'il y a de nouveau, des nouvelles propriétés. Tiens, on va regarder, est-ce qu'il y a... Non, on va directement cliquer sur nouveau, ce sera plus simple.
Non, je crois pas. Non, je pense pas. Ok, donc on va... Ah. Yo, c'est toi le nouveau taulier du QG? Je suis le gardien des lieux. Viens visiter, je t'expliquerai ouais, deux, bah, trois trucs. Ouais, j'en doute pas. Ouais, comme t'as pu le voir, j'ai rajouté les petites voix, tu vois. Voilà. Comme ça, t'as pas besoin de t'emmerder à lire les sous-titres. Là, tu as vraiment les voix. Ouais, tu vois, parce que je veille sur toi, tu vois. Ok, donc les nouvelles fringues, donc j'imagine qu'il y a un onglet spécial motard. Ah, j'avais pas débloqué ça, ok, bon, ok. Ouais, ça va, ça passe. Nickel. Ouais, ça va, ça fait Mad Max. Non, ça fait un peu boîte de... Non, ça fait plongeur, c'est bizarre. Ça fait mec qui va au ski. Ouais, ils ont pas trop assuré sur les tenues, hein. Il y en a vraiment trois qui sont excellentes, les autres, elles sont... Ok, donc maintenant on va se rendre là où il y a les casques. C'est parti. Alors bien sûr, on accélère un peu, hein, parce que sinon la vidéo elle durerait 40 minutes. Ouais, j'ai enregistré pendant 40 minutes. Donc, je te raconte pas pour réduire tout ça. Donc là, on va voir les casques. Donc déjà, on va regarder. Ah ok, donc il y en a plutôt... Ah, des casques genre militaires. Ouais, bon, c'est vrai que les bikers aux États-Unis, bon, même partout, j'imagine, sur la planète, hein, je suis pas un biker, mais j'imagine qu'ils ont tous des genres de casques comme ça. Donc, un casque rond, il nous faut. Voilà, un casque rond noir. Comme ça, après, là, on peut voir les personnalisations. Ah, ok, non, c'est pas les personnalisations, c'est les trucs. En fait, on peut seulement avoir le casque rond, ce genre de masque. Si tu te dis comment je le sais, bah parce qu'en fait, j'ai cherché, là, pendant 10 minutes, je me suis dit, attends, il me demande un casque rond et j'arrive pas à voir les trucs. Donc les tatouages, ouais bon, il y en a qui parlent, franchement, ah ils ont même fait un petit peu, tu vois, genre délavé, tu vois, comme ça fait vraiment, genre t'as fait le tatouage dans un bar à l'arrache, tu vois. Ouais, ok. Ah ok, sur le... ah une araignée sur la gueule, excellent. Y a pas mal de filles qui vont se mettre à flipper là. Ouais. Ouais, plutôt pas mal. Bon, y a pas de... bon, chez les bikers, il n'y a pas de couleur. Hein. C'est vraiment du brut de coffrage, comme je te dis. C'est vraiment à l'arrache. C'est des bonhommes, quoi. On n'est pas là pour jouer les fines bouches. Donc, ouais. Ah, statue de la liberté avec une tête de mort. Ouais, putain, celui-là, il est pas mal. Hein. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'il faudrait se balader à chaque fois en short pour qu'il soit visible. Ouais, ouais. Ah, tu vois, ils ont mis quand même pas mal de tatouages, quoi. Ouais. Bon, ce que j'ai déjà est largement suffisant pour être le PDG, enfin le PDG, le chef du clan, on peut dire. Bon, maintenant on va voir les coupes de cheveux. Ah, mais il y en a des nouvelles. Mmh. Ouais, je suis pas sûr que celle-là... Ah, si, ah bah ça, je pense que si, ouais. Celle-là, elle faisait partie... Ah, c'est quoi? Ah, comme les footballeurs. Excellent. Bon, sinon, il n'y a rien d'autre. Ok, bon, ben, on va... ouais, non. Non, tu sais quoi, on va tout de suite se rendre au QG. C'est quand même ce qui importe le plus. Alors, c'est parti, voilà. Ah, il est pas mal, il est stylé de dehors comme ça. Ça, c'est vraiment nickel. Comme ça, avec les fresques. C'est dommage qu'on puisse pas personnaliser le mur extérieur. Alors, c'est parti. C'est cool qu'on ait un atelier comme ça. Excellent. Yo, cool de te voir. Salut, je suis Malk de Liberty City. C'est moi qui gère la place. T'es le nouveau taulier? Ok, donc j'imagine que tu veux monter un club tout de juste. Motards. T'as trouvé la bonne planque pour zoner avec ta bande. Merci. On a des fléchettes, ouh, un jukebox, une table de bras de fer, un bar. Recrute des inspirants. Ils rejoignent le club et après c'est toi qui gères la hiérarchie. Pas, ouais. Dans un club, t'as besoin d'un vice-président, d'un capitaine de route, d'un sergent d'armes et d'un gros social bras. Club, quoi. Chaque rôle a des talents bien précis, des responsabilités différentes. Vaut mieux bien t'organiser, parce qu'il y a plein de types prêts à raquer pour vous confier des boulots. Les débarrasser des flics, assurer leur protection, buter des gens pour eux, ce genre de trucs, quoi. Les jobs sont affichés sur le tableau. T'en comme fais ce que tu veux. Ok, quoi d'autre? Il y a masse de place pour vos bécanes. Tout le monde aura de quoi se garer. Combien de place c'était? On a même un atelier, si vous voulez les bricoler un peu.
Zack fait pas ça gratos, mais c'est cool de l'avoir sur place. Ton armurerie est prête. Rangis ton matos et prends ce dont t'as besoin quand tu le sens. Sans parler de l'ordi, derrière, branché sur un serveur anonyme. Tu vois, on se fout pas de toi. Avec ça, les fédéraux risquent pas de te choper. Tu pourras faire ton business sur le net. Ok, tranquille. On va voir ça. J'ai dit un œil. Tu m'en diras des nouvelles. Lève là. Je te contacterai si t'acceptes des missions pour ton club. Entre temps, profite. Ça marche. Ok, donc on va tout de suite visiter un petit peu la zone. Parce que j'imagine que tout se passe pas donc, dans la même pièce. Donc ça, c'est le squat. Avec le bar, le jukebox, tout ce qui se pour s'amuser. Le pognon, hein, j'imagine la cocaïne dans le coin. Ok, donc le tableau des hiérarchies. Mon crew. Enfin, le logo du crew. Donc on descend directement dans l'atelier. Je me demande combien de places on peut avoir de moto. Il faut que je vérifie. Donc ça, j'imagine que c'est notre nouveau mécano. Ok, ah voilà la table du briefing avec bien sûr les missions qui se trouvent à l'arrière. Donc quoi, victime du club, quoi, nombre de tués, quoi, contact de QG terminé. Oh, ah ok, donc voilà, on a vraiment un tableur bien détaillé de tout ce qui, vraiment tout ce qu'on doit faire. Plutôt sympa. Bon, le logo du crew sur la table, ils auraient pu éviter. Ça fait un peu craignasse. Ah, des Akuma. Les chiottes, ok, cool. Est-ce qu'on peut aller pisser de... Ah, ça, ils auraient pu mettre, hein, ça aurait été marrant. Ok, donc voilà, on a fait le tour ici. Donc j'imagine que là, il doit y avoir le PC, non ? Non, ah, ok, l'armoire. Ah si, le PC, il est là. Ah, et l'armurerie, donc. Ça m'a coûté 320 000. Putain, une simple armoire, parce que les armes, je les possède déjà, quoi. Putain, ça me fait mal au cul, quand même. Ok, donc on va regarder les différentes missions. Je ne ferai pas de mission aujourd'hui, là c'est juste pour regarder globalement. Ok, donc là toutes les catégories de missions se séparent entre les faux papiers, la cocaïne, enfin le cannabis, la fausse monnaie. Métaphétamine. La méthamphétamine, ok, la cocaïne, j'imagine que c'est rangé par ordre croissant, du genre les missions qui te rapportent le moins, donc genre les faux papiers c'est en haut, et vraiment la cocaïne qui te rapporte le plus, quoi. Ok, donc on a de toute façon à chaque fois un mec qui fait la transaction... Contacte-moi si tu veux plus de détails. Ok, t'en es ami. Ça marche. Ouais, 1 million. Ok, donc ça. 1 million 600 000. 1 million 700 000. 1 million 800 000. Ok, donc c'est vraiment. Tu vois, c'est comme je te l'ai dit. C'est par ordre croissant, quoi. C'est vraiment l'émission qui coûte pas très cher. J'imagine qu'ils vont être relativement plus simples en haut. Et après, l'émission qui coûte vraiment un max en bas. Voilà, bon, bah écoute, on a de quoi faire cette semaine. La présentation des véhicules, la présentation des missions. Il va falloir aussi que j'aille voir s'il y a des nouvelles armes, mais bon, je pense pas. On regardera ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On est enfin arrivé à la fin de cette première présentation brute de coffrage. Je tiens à le préciser, c'était vraiment pour avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est, de tout ce qui est présenté. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, ben, profite bien de la DLC. Ciao, ciao.